T'inquiète pas, Lily Rose, on s'en occupe. Oh là là, c'est une catastrophe. Elle est encore revenue. Elle est encore là. Regarde, regarde, Esteban. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Elle est encore en train de danser là-bas. Oh, c'est pas possible. Non mais elle va nous hanter pendant combien de temps là? J'en peux plus, c'est en train de nous gâcher la vie. Attends, montre, montre. Tiens le rideau, il faut que je montre à la caméra. Tiens le rideau, il faut que je le montre à la caméra. Oh non, elle est en train de partir. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Bon, ouais. Écoute, bon, les amis, là il faut qu'on vous explique ce qui est en train de se passer, parce que c'est une catastrophe. En gros, là Lily Rose elle nous a appelé parce qu'elle voulait passer la nuit dans son appartement. Pour ceux qui savent pas, Lily Rose maintenant elle a son propre appartement, donc qui est ici, voilà. Elle a déménagé, elle habite plus tous les jours avec nous. Et là ça fait 3 nuits en suivant, donc les 3 dernières nuits il s'est passé une catastrophe. C'est qu'elle me dit... Elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Esteban, je comprends pas, devant ma fenêtre, il y a quelqu'un tout en noir qui est en train de danser, qui essaie de me regarder. » Enfin bref, viens, il faut qu'on regarde si elle est encore là. Et on a fait des recherches sur internet et apparemment, ça s'appellerait la légende de la danseuse serbe. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui s'habille tout en noir et qui se met à danser comme ça devant les fenêtres des gens. Et si on la fixe, si on la regarde dans les yeux, après elle se téléporte, elle vient devant votre porte, elle essaye de vous faire peur et ça dure pendant des jours et des jours quoi. On la voit encore ou pas? Elle revient. On la voit encore? Bah si elle repart. Ouvre le rideau. Ah, bah elle repart, Esteban, elle est partie. Elle est repartie à la porte. Et là, à chaque fois, la danseuse, elle se mettait sur la place de parking, là comme non, ça. Non, non, j'ai pas. Lily Rose, elle s'endort ici, puis elle entend quelqu'un en train de chuchoter comme ça, à sa fenêtre, en train de faire « Viens ici, viens ici oh, !» J'ai trop peur. Imagine si elle se déplace jusqu'à notre porte maintenant, comment on va faire? J'ai pas envie, non. Attends, on va quand même vérifier. On s'en va. Ah, ah. C'est quoi ça? Vite! Non, allez là! Viens ici! Viens ici, dépêche-toi! Mais t'es bête ou quoi? Oh, viens ici! Vite! On s'enferme! Mais pourquoi t'as ouvert la porte? Vite, ferme la porte! Mais t'es bête ou quoi? Ferme la porte! Elle est là! Oh, c'est une catastrophe! Elle toque à la porte maintenant! Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tu l'as pas virée? Bah, c'est toi, t'as ouvert la porte! Attends, et Lily Rose, elle s'est cachée où? Attends, je me suis caché dans les toilettes. Ok. Ouais, Lily Rose, reste dans les toilettes. Hein. Et ferme le verrou, surtout sors pas. Elle est rentrée dans la maison. Bon, pour ceux qui savent pas, on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur le sujet de la danseuse serbe. Elle était déjà venue dans notre maison. Elle était venue dans notre jardin et elle arrêtait pas de nous observer aux fenêtres de nos chambres comme ça. Là, par contre, je te préviens, elle a des grands pouvoirs. Donc, si on la laisse rentrer dans la chambre, elle risque de nous contrôler. Non, moi j'ai envie de partir. Oui, bah on fait quoi alors? Attends, je vais regarder si. Ah non, elle est encore là. Non, mais s'il n'y en a pas une deuxième, non, ça a l'air d'aller. Attends, on va fermer les rideaux. Chut. On va faire en sorte qu'elle nous observe plus. On fait quoi? Attends, on attend qu'elle parte. On est obligé de sortir de l'appartement de toute façon. Carrément, oui. Je vais partir en courant, en premier. Vas-y, pars en courant. Et moi, je partirai en deuxième avec Lily Rose. Allez, dépêche-toi. Un, deux. Moi, je me cache derrière la porte. Ah, amis, je me cache. Peppa Pig, ça va? Faites très attention les amis avec la danseuse serbe. C'est vraiment une légende. J'en ai beaucoup entendu parler sur internet. Peppa Pig? Peppa Pig? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais fermer la porte. Sinon les voisins ils vont nous prendre pour des fous. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de contrôler. Elle est en train de contrôler Peppa Pig. Hello. Regardez Peppa Pig, il est totalement contrôlé. Faut que j'aille dans les toilettes là. Avec Lily Rose. Lily Rose, t'es où? Lily Rose, je vais fermer à verrou. Lily Rose, t'es où? Lily Rose, tu m'as dit que t'étais aux toilettes, t'es où? Oh, c'est une blague. Où est-ce qu'elle est passée? Esteban, j'ai réussi à m'enfuir de l'appartement. Laisse-moi courir le plus loin possible, j'ai trop peur. Oh, Lily Rose, du coup, elle est partie de l'appartement. Elle nous a même pas attendu. Bon, bah écoutez, les amis, moi je pense que je vais rester ici. Je vais rester enfermé ici. Et je vais vous expliquer ce qui s'était passé dans la dernière vidéo. Donc, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet de la danseuse serbe. Elle était apparue dans notre jardin. Lily Rose l'avait repérée parce qu'elle la voyait depuis la fenêtre de sa chambre. Elle l'avait observée. Elle est encore derrière la porte. Je pense que je vais rester ici. Je vais m'asseoir ici. Oh, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tu vas nous laisser tranquille. Tu contrôles déjà Peppa Pig, ça suffit. Et du coup, maintenant, depuis qu'on l'a observée dans notre autre maison, là, dans notre maison que vous connaissez, elle veut plus nous lâcher. Maintenant, elle s'en prend à Lily Rose. Et comme je vous ai dit, ça fait 3 jours qu'elle l'observe. Et écoute,
Écoute, je sais pas qui tu es. Je sais pas qui se cache en dessous de ce costume. Mais il faut que tu nous laisses tranquille là. Arrête de. Oh, Peppa Pig. Peppa Pig, ça va? Peppa Pig. Oh là là. Il bouge plus. Attaque Esteban. Oh, comment ça, attaque Esteban? Oh, c'est pas possible. Je peux pas me laisser faire comme ça. Oh, c'est une catastrophe. Oh, les amis, là, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Oh, je sais pas quoi faire. Faut que je demande à certains. Oh non. Non. Peppa Pig, réveille-toi, par pitié, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Peppa Pig, reprends connaissance là. Oh, elle est en train de danser. Regardez, elle est en train de danser, elle utilise son sortilège. Oh, comment je vais faire si elle me contrôle? Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Il faut obéir à la danseuse serbe. Il faut retrouver Lily Rose. Et partir d'ici. C'est bon. J'ai retrouvé mes esprits d'un coup. Peppa Pig, ça va? Je veux trouver. Ça va? Peppa Pig, retrouve tes esprits par pitié là. Mais ça va? Qu'est-ce qui m'est arrivé là, Esteban? C'est bon, on est redevenus normaux. Elle nous a contrôlés. La danseuse serbe, elle a réussi à rentrer dans l'appartement, elle nous a contrôlés. Ça va, Lily Rose a réussi à s'enfuir par elle-même. J'ai la tête qui tourne. Ouais, bah moi aussi j'ai la tête qui tourne, elle a réussi à nous contrôler d'un coup comme ça. Ah bah c'est bon, je l'ai mise en dehors de l'appartement. Fermée à clé? Ouais, bah elle peut pas rentrer. La poignée elle est bloquée de l'autre côté. Oh là là, les amis. Bon, c'est une catastrophe ce qui se passe. On sait pas pourquoi elle nous poursuit, pourquoi elle poursuit Lily Rose particulièrement. Attendez. Coucou Esteban, je suis en train de rentrer à la maison. Il n'est plus question que je revienne dans cet appartement, il se passe trop de choses. Vous vous rendez compte les amis, cet appartement, Lily Rose, elle vient de l'avoir, c'est son nouvel appartement. Elle est censée habiter ici toute seule et elle veut déjà plus y aller à cause de tout ce qui se passe ici. Bon, écoutez, nous on va attendre un moment, on va voir si elle part. On va attendre un moment et une fois qu'on est sûr qu'elle sera partie, on va retrouver la voiture et on va rentrer dans notre maison. On va laisser l'appartement vide parce qu'il se passe trop de choses. On peut pas laisser Lily Rose toute seule ici. C'est trop dangereux. Elle grimpe au mur, je l'ai vu là-bas. C'est une catastrophe. Bon, les amis, en tout cas, Lily Rose, elle est pas prête d'avoir son propre appartement et d'y rester toute seule. C'est beaucoup trop dangereux, il se passe trop de trucs. Bon, en tout cas, les amis, faites attention à la danseuse serbe. Si vous entendez une musique la nuit, si vous voyez quelqu'un danser à votre fenêtre la nuit, faites très attention, c'est peut-être elle. En tout cas, nous, on va rentrer dans notre maison. On attend quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, allez voir une autre vidéo. Oh non!